Salut les petits jokers! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour de présentation et d'ouverture. Alors, cette fois-ci, c'est une ouverture. Hier, je suis allée à Auchan. Alors, normalement, je devais vous l'ouvrir aujourd'hui. Donc, c'est une boîte de Hot Wheels. Voilà, vous avez Hot Wheels. Attendez. Vous avez Hot Wheels. Bon, vous avez vu les voitures, dommage. Je voulais pas que vous les voyiez. Voilà. Alors, j'hésitais avec deux voitures, mais j'ai eu coup de cœur sur les trois là. Et donc, on va les ouvrir en vidéo. Mais si ça vous plaît, mettez un gros pouce bleu et à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Donc, j'ai encore remis le Scooby-Doo. Et oui, mes amis, mon Scooby-Doo. Et on va ouvrir cette petite boîte. Alors. Vous voulez la méthode de façon Joker ou pas? Est-ce que j'ai les ciseaux, hein? Bon, ok. Ah! Voilà. Voilà, c'est ouvert, regardez. Enfin, pour le moment, j'ai pas gagné. Voilà. Non, j'ai gagné. Voilà, et je vais vous montrer les voitures. Bon, voilà, la boîte est vide. Voilà. Donc, on va commencer par les présentations des voitures. Les voitures sont là. Voilà. La première. Alors, celle-là, on a l'impression que c'est une mélange de voitures du futur. Hein? Je ne connais pas la marque. Et c'est il marque pas. Il ne marque pas. Dites-le-moi en commentaire si vous arrivez à la lire. Donc j'en ai eu pour pas beaucoup cher. Là, voici. Et celle-là, c'est une. Il ne marque pas. Celle-là, il ne marque pas. Ah! Ce qu'ils ont dans un épisode de K2000 là, du retour, mais je suis pas sûre que c'est ça. Bon, c'était pas grave. Et voilà la dernière voiture. On dirait un look de GTA V. Et celle-là, normalement, ils la mettent. Ah! Malda Ferrari. Ferrari. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, cette vidéo est enfin finie. Mettez un gros pouce bleu pour la vidéo si vous kiffez à fond les ouvertures. Demain, tout à l'heure, pardon, il y aura une vidéo aussi pour la présentation de mes jetons Star Wars. Ça, je vous en avais parlé hier. Par contre, pour Rogue One, je sais, vous allez me dire, ouais, vas-y sur Rogue One aussi. Je vais pas faire sur Rogue One parce que j'ai pas très bien aimé le film. Bon, j'ai un peu aimé, mais ça m'a fait plaisir de revoir ce méchant-là, Dark Vador. Parce que ça a été demandé à plusieurs de ses fans le refaire encore un film, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu.